Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va préparer les machines pour aller faucher leurs gains. C'est parti. Première chose alors, on va sortir le Valtra, crocher la frontale, la faucheuse frontale et la faucheuse latérale. Et ensuite on fera les réglages, on regardera les couteaux et puis après on sera go. Donc c'est parti. Je sais pas si vous avez pu voir, mais vous savez que j'ai mis la faucheuse là, c'est un peu limite, je sais pas si vous avez vu dans l'accéléré pour se mettre là, j'ai assez bien réussi mais c'est assez serré. Du coup voilà, ça c'est mis, faucher ça c'est bon, maintenant je vais descendre la faucheuse pour pouvoir mettre 3 points. Alors j'enlève juste le frein de part, je recule un petit peu en poussant, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près à la bonne hauteur. Un petit peu, voilà. Comme ça la lève plus haut parce que c'est déjà limite ici, donc ça la lève un peu plus haut. Hop, je crois que je suis assez juste, pas plein, un tout petit peu rallongé de 3 points, mais c'est tout. Après je le resserre, la faucheuse soit bien droite, je le tienne bien, voilà, je crois que ça c'est fait. On met la prise hydraulique pour lever la faucheuse. Et après du coup il ne restera plus qu'à mettre la prise de force, je la mettrai quand on sera en bas. Du coup ça c'est bon, maintenant on va déverrouiller celui-là pour pouvoir lever la faucheuse tout en haut. Je commence par un peu reculer parce que si je lève, j'arrive droit dans la pirouette. Du coup je recule un petit peu tout en levant un petit peu la faucheuse pour pas... Voilà. Donc je la lève jusqu'en haut. Je baisse l'eau, l'hydraulique. Et maintenant, on va aller enlever ça. Ça c'est fait, et là il n'y a plus qu'à mettre encore les chaînes pour tenir la faucheuse, tout en compter le même nombre. Là, il y en a 11, ça joue, on met tout le temps 11. De l'autre côté normalement, c'est censé être la même chose. Là il y en a aussi 11, c'est bon.
Voilà, maintenant j'ai accroché les deux faucheuses. On va tout de suite pouvoir regarder du coup l'état des couteaux et pouvoir un petit peu nettoyer celle de derrière. Vous verrez, c'est toujours un petit peu sale. Du coup, on va commencer par regarder les couteaux, la frontale. Je peux voir qu'ils sont encore bons, hein. Il n'y a pas eu de trop dégâts dessus. En tout cas, celui-là. Celui-là, il est bon aussi. Hop. Puis le dernier, il est aussi bon. Tout est bon sur la faucheuse là, pour le moment. Alors, je viens de regarder, tous les couteaux de la faucheuse frontale sont bons. Alors maintenant, on va la régler un petit peu parce que vous voyez maintenant, je sais pas si vous allez bien voir la caméra, mais elle penche un peu en arrière comme ça. Alors que quand on fauche, on aimerait que ce soit un peu le contraire pour que la faucheuse fauche bien l'herbe comme il faut. Du coup, ça, ça joue, c'est très simplement avec le 3 points. Avant, je l'ai un petit peu trop serré. Du coup, maintenant, je vais essayer de le desserrer. Là, donc, je sais pas si vous voyez. Et maintenant, ça a changé, elle est plate, elle penche un tout petit peu contre l'avant. Du coup, c'est pas trop mal. J'ai fait 2-3 tours comme ça. Voilà, alors, on va finir par mettre encore la prise de force. On sera bon avec la frontale. J'en ai droit de profiter du moment que j'étais pour graisser tous les points de graisse de la faucheuse. J'ai fait dans les prises de force, partout, tout sur la faucheuse. Comme ça, elle est prête. En général, on le fait 2 fois par an, 2-3 fois par an. Prise de force, des fois un peu plus. Là, il y a noté 150 heures. On fait tout un peu moins quand même. Tous les. Je sais pas, tous les 30-40 heures. Comme ça, 50 heures. Comme ça, on est sûr que c'est bon. Maintenant, on va attaquer la faucheuse latérale. Alors voilà, maintenant que la frontale est prête, je m'attaque à la latérale. J'ai déjà ce matin un peu, vous voyez, le merdier que ça fait. Il y a tout, quand on fait avec la faucheuse comme ça, puis que c'est pas droit sec, ça colle ici dessous, là. Ça fait une croûte partout, puis faut à chaque fois nettoyer avec le grattoir, comme là, vous voyez. Alors je suis en train de nettoyer ça pour pouvoir tourner les couteaux parce qu'il y en a des qu'on ramassait un petit peu là, la dernière fois, donc voilà, du coup on se fait ça. Alors il y a 2-3 fois vous voyez que les couteaux ils ont bien morflé, ils ont ramassé 2-3 cailloux. Du coup sur la plupart j'ai pu juste les retourner parce que les couteaux on peut les utiliser des deux côtés, ça qui est bien. Et puis à d'autres places, ben, comme là c'était celui qui était là, je l'ai droit changé parce que celui-là il est vraiment au bout. Alors du coup, je vais vous montrer, c'est très très simple à changer un couteau sur cette machine ici. Hop, voilà, c'est juste sa grippe. Regardez, celui-là, il est aussi foutu. Du coup, on prend notre outil magique, on le coince à la bonne place ici. Puis maintenant, il faut que je... Attendez, il faut que je tienne. Voilà, il fallait que je pose ma GoPro. Je fais levier avec ça ici pour enlever le couteau, comme ça. Entre deux, je donne un petit coup de soufflette. Tout bien nettoyé. Après, je fais comme ça. Après, je regarde sur le couteau dans quel sens il va. Là, il y a une petite flèche comme ça. Parce que du coup, il y a des couteaux qui vont dans un sens, des disques. Genre par exemple, celui-là, il va dans ce sens-là. Puis l'autre, il va dans l'autre sens. Alors, il y a deux types de couteaux. C'est que là, le biais, il est dans l'autre sens, si vous voulez. Du coup, là, c'est dans ce sens-là. Après, j'ai deux paquets de couteaux, du coup... On regarde lequel est le bon. Là, on voit que c'est pas le bon. Alors, on le remet. On prend dans l'autre. Hop. Et on voit que ça correspond. Du coup, on refait la même chose. Je repose la GoPro. Et puis, je refais le levier. Je mets mon nouveau couteau. Je relâche. Et puis, tiens. Comme ça, c'est bon. Et je fais pour ça sur tous les disques. Voilà, on se retrouve le soir. J'ai essayé d'aller faucher un petit coup. Et puis, c'était pas concluant. C'était encore trop mouillé. Pourtant, il y a un collègue qui a fauché à une place, puis ça allait bien. Puis je me suis dit que je voulais essayer. Puis
J'ai essayé de voir en face la maison là, en face de la ferme. Puis c'est trop mouillé encore avec la faucheuse latérale, ça fait trop de la... Avec les taupinières puis tout ça, ça fait trop de merde. Du coup, voilà, on s'arrête pour ce soir. Et puis on reprendra ça un autre jour. Alors je vous souhaite une bonne nuit. Ciao.